David, quelle est votre vision des évolutions récentes des attentes de vos clients ? Alors, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que la fréquentation en agence baisse, notamment du fait que les clients utilisent les outils en mobilité pour faire des virements ou des consultations de compte. Mais en même temps, les clients attendent plus de leur agence, donc c'est pas la fin des agences, bien au contraire, ils attendent plus de leur agence, plus de leurs conseillers, avec plus d'expertise, plus de conseils, ils attendent qu'on aille au devant d'eux. Et donc on peut résumer ça en disant ils veulent du fast, la rapidité, la réactivité par rapport à des demandes simples. Et en même temps, ils veulent du focus, c'est-à-dire vraiment un conseil très personnalisé par rapport à leur situation personnelle et qu'on aille aussi au devant d'eux. Et quand je dis on, c'est leur conseiller en multicanal qu'il aille au devant d'eux parce qu'il les connaît bien et parce qu'il a tissé une relation particulière avec eux. Et quel est le rôle du coup des data dans ce modèle aujourd'hui ? Donc les data ont un rôle important, ce qu'elles permettent d'identifier les moments où on se doit d'aller au devant des clients pour répondre à des situations particulières. Et donc cet usage des data nous a permis par exemple de passer d'un rendez-vous sur trois qui était originé par le conseiller à un rendez-vous sur deux aujourd'hui. Et donc cette proactivité, elle est très appréciée par nos clients. C'est un facteur clé dans leur satisfaction, dans leur capacité à nous recommander. Et la satisfaction client, c'est le moteur de notre développement. Et donc notre capacité à aller au-devant de nos clients à des moments qui sont essentiels pour eux, à être en proactivité, c'est un élément essentiel dans le développement de notre modèle relationnel. Qu'attendez-vous de votre partenariat avec DSTI ? Alors avec DSTI, on attend trois choses. Alors de manière très concrète, très opérationnelle, c'est de nous aider à gagner en expertise, en compétences dans l'exploitation des données avec des cas très très pratiques, très très concrets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de travailler avec nous de manière peut-être un peu plus conceptuelle autour de l'idée de l'éthique et data. Donc on a vraiment une approche autour de l'éthique au Crédit Agricole, éthique des data, et donc on a une chaire sur le sujet avec DSTI. Et puis troisième sujet, c'est un sujet plus entrepreneurial, c'est d'accompagner les startups de nos villages de l'innovation et en particulier le village de Sophia Antipolis sur des questions de data, donc acculturer les startups et aussi accompagner les startups qui sont spécialistes du sujet. Merci David. Léo, pour vous, quels sont les points positifs de ce partenariat avec le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur ? Alors, comme le disait David, on a des attentes et des envies qui sont assez complémentaires. Pour nous, déjà, c'est un apport de crédibilité. Un acteur français, un grand acteur français, pionnier dans le monde de l'utilisation éthique de la donnée dans le secteur bancaire, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On reste une start-up, une jeune école. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, ça nous permet d'apporter des projets et des cas d'application concrets. Donc d'aider les étudiants à appliquer leurs connaissances qu'ils acquièrent lors du cursus sur une problématique réelle, industrielle. Et troisièmement, s'inscrire dans cet écosystème startup est quelque chose qui est très important pour nous. Nous sommes une startup et donc nous sommes heureux d'apporter cette connaissance, cette expertise dans le domaine de la donnée et de l'intelligence artificielle pour les entreprises qui sont hébergées dans le village Baïséa de Sophia Antipolis. Donc vous avez un beau partenariat aujourd'hui avec le Crédit Agricole PCA. Est-ce que vous avez aussi d'autres partenariats avec des acteurs du marché, des grands acteurs ? Alors oui, et le premier qui nous a fait confiance, c'est SAS, toute notre présence ici aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un acteur qu'on remercie énormément parce que c'est le premier qui nous a accompagnés lors de la création de l'école, il y a de cela 3 ans. On a aussi des partenariats avec des grands acteurs métiers ou des grands acteurs technologiques comme Amazon AWS qui reste un acteur important pour nous sur les aspects technologiques et infrastructure cloud. Donc voilà, on a différents partenariats qu'on essaye de créer. On crée tout cet écosystème autour de l'école et qui nous permet d'apporter de la valeur ajoutée et de la crédibilité à l'école et voilà, de la valeur ajoutée à nos étudiants.